On est de sortie! Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'étais dans l'ascenseur et je me suis dit non, je vais retourner, je vais chercher l'appareil photo. Voilà, écoutez, aujourd'hui nous sommes le dimanche, il est 10h40. On va rejoindre des amis à l'aéroport et ensuite, bon, écoutez, je vous parle sur la route parce que le taxi est en bas. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Oh oui! Elle retourne là-bas. Elle est trop mignon. Mignonne. Oui, toi aussi t'es trop mignon. Regarde-moi. Regarde-moi. Can I touch you? I don't like it. No, don't touch it. Regarde-moi. Wow. Allez, on y va. C'est parti. On va voir qui. On va voir qui. Assia. Et on va dire au revoir à Assia. Tu sais, Assia, elle va partir, Haroun. Bon, alors je vous disais, en fait, on est dimanche. Hier, on a eu un barbecue. Avec une copine qui nous a invité qui s'en va. On avait fêté ensemble entre filles son départ et là hier elle nous a invité avec deux autres familles. C'était sympa, c'était... Après franchement j'ai eu un coup de blues quand même et là aujourd'hui c'est officiel en fait, c'est quasiment toutes les personnes vraiment proches sont parties ou vont partir très prochainement. Donc là on va à l'aéroport, on va rejoindre Maram et son mari Loïc. Je pense que ça va être émotionnel parce qu'on était assez proches, on se voyait souvent, on faisait beaucoup de sorties entre nous, les maris aussi et tout. Donc voilà, et après ça, on verra, on va faire plein de trucs là. Mais là, j'ai trop faim, j'ai rien mangé, je me suis réveillée, j'ai dormi hyper tard hier, c'est pas très bien ça. Et voilà, direction l'aéroport. Partie taxi, en fait. Ahmed, tu vas pas fermer le truc de la valise. Ahmed, il s'en va juste après. En fait, on va à l'aéroport. On se rejoint à l'aéroport puisque à Singapour. Vous avez dit bonjour, les filles. Hi. Je vais retourner la caméra. Donc à Singapour, vous avez en fait pas mal de terminaux et vous avez le Joule. Le dernier bébé là avec la fontaine et plein de magasins et tout, il y a plein de cafés donc du coup on va se rejoindre là-bas puisque Ahmed a un vol, il s'en va à Kuala Lumpur, c'est pas très loin, une heure de vol, il s'en va à Kuala Lumpur à 14h donc du coup pour le boulot, donc du coup on se rejoint là-bas comme ça on pourra profiter. Voilà, et après de là-bas on partira à un petit parc d'eau avec une autre copine et avec les enfants. Tu es contente? Oui, j'aime trop mon livre. Surtout, on a fait les devoirs, ça c'est bien. Et là, on va voir si elles ont retenu les mots de spelling. Right, ah oui, alors vas-y, Rania, c'est R I G H T. Mariam, il y avait wrong. R O wrong. T'as faux déjà. Wrong. Oh, wrong. W R O N G. Ok. Il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait comme mot? Je me souviens plus. Attends, non, mais est-ce que c'est le dernier? Parce que moi j'avais. Oui, c'est ce que tu viens. Oui, ce que tu viens de réviser maintenant. Ahmed, t'as la liste, non? C'est dans ton téléphone, tu peux m'envoyer. Crevé. Tu as trouvé quoi, Ahmed? Il y a quoi d'autre comme mot, les filles? Vous vous souvenez pas? Right, wrong. En fait, je me souviens moi des mots de la semaine dernière. Parents, children. C'est la semaine dernière. On va mettre notre masque. Bienvenue à Jewel. Jewel qui se prononce Joule. Voilà, donc on est à l'aéroport, vous avez le terminal 4 qui est juste ici et donc vous avez le shopping qui est juste en face. Alors attendez, je vais tourner la caméra parce que ça vaut le coup hein, si jamais vous venez à Singapour et que vous passez à l'aéroport, il faut faire un arrêt par ici. Voilà. On va zoomer. Et là, on va chercher un endroit où manger. Wow, beautiful, yes. Mommy, I got my shoes, Didida. Parce que qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux un peu de... Je crois que tu veux ça. Tu veux manger ça? Alors attends, il y a des petits pains. Tu veux pas les petits pains? T'aimes bien les petits pains? Non. Ok. Alors attends, on va regarder. Bon, Haroun. Bon, on est parti chez Paris Baguette. Voilà. Bon. On va prendre du café, un petit pain et ensuite c'est parti. Oh là là, mais il faut les suivre, hein, ces enfants. Ok, bon, on a pris le petit déjeuner. Et là, on a pris un bus. On va se rendre du côté de Marina Bay Sands. Il y a un playground. Oui, Marina Bay Sands, oui. Oh,
vois des poissons. Recule, Rania. Regardez. Ah, on est arrivé, c'est le Children Garden. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc c'est parti, on y va. Ah, les enfants, ils sont tout fous. Bon, les enfants sont super contents, ça faisait super longtemps qu'on n'est pas venu ici. Donc là ici on est à The Tree Houses et donc vous avez en fait des petites maisons. Oui, je vais venir, je vais enlever mes chaussures. Allez, je vous accompagne. Let's go. Allez, on y va, vas-y, je vous suis. Ouh, c'est parti. Haroun, c'est la première fois qu'il vient. Hein. Non, ah oui, oui, si, il était tout petit. Haroun, tu te rappelles? Il était tout petit, il était tout bébé. C'était cool. On va quitter Garden by the Bay et on va se rendre du côté de East Coast. On va aller manger des fruits de mer. Oui, Haroun. Bon, voilà, on est arrivé à East Coast Lagoon Food Village. Allez, Haroun, prends ton petit train, let's go. Oui, oh là là, ça sent bon. Alors ça, c'est du saté. C'est super bon, des brochettes. De poulet ou de mouton avec une sauce à base de cacahuètes. Délicieux. Voilà. Le stand de 38 et le 43, c'est ça? C'est ça? 43 aussi, vous m'avez dit. 43. Et donc là, ici, on a quoi? Des crevettes aux... Crevettes, cereal crevettes. Mmh. Ok. Très bon. Ensuite, ça ici. Baby kalan. Baby kalan. Mmh. Ok, on a pris du saté. Et ça ici. Fried rice. Fried rice. Fried rice. Yeah. Saté. Saté. Et ça ici, comment ça s'appelle ce qu'il y avait là, à l'intérieur? Ota. 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 Ota.